auprès de vous pour vous, pour ensemble, pour qu'ensemble nous puissions implorer la grâce ainsi que la bonté de l'Éternel. Que Dieu bénisse, que la paix, la bonté, là où vous êtes, dans vos maisons, que le Seigneur soit avec vous, que la paix de Dieu, la grâce de l'Éternel demeure dans vos foyers, dans vos maisons. L'Éternel est puissant, il est capable, il répond favorablement à tous nos plaies, à tous nos soucis. Nous allons prier avant toute chose. Éternel, notre Dieu, nous te disons merci pour ton amour, merci pour ta bonté, pour ce moment merveilleux que tu nous as fait, de venir nous prier de toi, pour t'adorer, te célébrer, te rendre gloire, que ton esprit soit à l'œuvre et que tu nous vises jusqu'à la fin. Rends-nous capables par ton amour, parce que par ta bonté, que ta présence, Seigneur, illumine nos vies, oriente-nous, assiste-nous, afin que nous puissions te célébrer, te rendre gloire. Dispose nos cœurs, afin de nous venir nous prier de toi, pour t'implorer, toi qui es notre Dieu, pour te célébrer, le Dieu des miracles, le Dieu qui soutient, le Dieu qui fortifie, que tes merveilles, Shalom, je bénis l'Éternel pour la grâce et pour la bonté. Que le Seigneur vous bénisse, que la paix, la grâce de l'Éternel soit avec vous. Que l'Éternel se montre puissant dans vos vies, dans vos foyers, dans vos maisons, afin que vous expérimentez la puissance ainsi que la grâce de Dieu. Dieu est bon. Voici, pendant Dieu est bon, il nous a fait du bien depuis le matin jusqu'à cette heure. Que son amour s'est encore manifesté dans notre vie. Pourquoi ne pas bénir l'Éternel et célébrer Dieu pour ses bons, pour sa bonté, pour tous ses bienfaits, pour toutes les choses qu'il a accomplies et réalisées dans notre vie. Pourquoi ne pas bénir l'Éternel pour la grâce, bénir l'Éternel pour son amour, bénir l'Éternel pour toutes les bonnes choses que l'Éternel a accomplies et réalisées dans notre vie. Nous bénissons pleinement l'Éternel pour son amour, grâce et faveur dans vos vies, grâce et faveur dans vos maisons, que l'Esprit de Dieu soit à l'œuvre. Et que la puissance de notre Dieu s'opère et se manifeste dans vos vies, dans vos foyers, de telle manière que vous puissiez expérimenter la grâce, la grâce, la grâce, la bonté de Dieu, de telle manière que vous puissiez expérimenter la puissance divine, le bienfait de Dieu, que l'Éternel soit avec vous, que l'Éternel vous donne la paix et que toutes sortes de bénédictions de Dieu soient avec vous. L'Éternel est merveilleux. Voici un moment merveilleux que l'Éternel nous a donné, nous a offert, en fait que vous et moi, nous puissions venir auprès de notre Dieu pour l'adorer, le célébrer, le rendre gloire, là où vous êtes. Paix et grâce dans vos maisons. Grâce, 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 faveur et bonté, miséricorde, et que tout est bien fait de l'Éternel et se manifeste dans votre vie. Que l'Éternel vous comble de toutes sortes de bénédictions. L'heure est arrivée pour vous et moi d'expérimenter la grâce de Dieu. L'heure est arrivée d'expérimenter la bonté de l'Éternel. L'heure est arrivée de voir la bonté, le bienfait de l'Éternel. Si vous êtes venu pendant ce programme pour la première fois, permettez-moi d'abord de vous dire shalom, que Dieu vous bénisse. Voici pour vous et moi un moment agréable de venir auprès de l'Éternel pour que nous puissions adorer Dieu et célébrer l'Éternel et rendre gloire à notre Dieu pour son amour, pour sa bonté. Voici un moment agréable que Dieu nous a offert pour vous et moi de s'approcher auprès de l'Éternel de telle manière que nous puissions adorer. C'est l'air que nous voyons, le temps que nous sommes, c'est un temps de prière. C'est un moment de prière que vous et moi, nous devons avancer auprès de l'Éternel pour l'adorer, prier Dieu, célébrer notre Dieu pour ses merveilles, pour la grâce, pour la bonté, pour toutes les bonnes choses que l'Éternel a accomplies dans notre vie. Même le moment est arrivé pour vous et moi de venir auprès de notre Dieu, d'avancer auprès de l'Éternel pour l'adorer. Que Dieu vous bénisse, paix et tranquillité et joie dans vos maisons. Que le Saint-Esprit de Dieu soit à l'œuvre, que la puissance de Dieu vous accompagne dans toutes vos entreprises, dans tout ce que vous êtes en train de faire, et que la grâce, la bonté de Dieu, la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous, et que les merveilles de l'Éternel s'opèrent et se manifestent dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Dieu est bon, et Dieu est bon. Voici un moment. Je vais juste te demander de supplier, vraiment sincèrement de supplier, si vous pouvez abandonner durant quelques temps, si vous êtes en train de faire quelque chose, si vous pouvez abandonner, lâcher ce que vous êtes en train de faire durant quelques minutes, juste durant quelques minutes, de telle manière qu'ensemble nous puissions disposer nos cœurs, disposer notre temps, de telle manière que nous tous nous puissions avancer auprès de l'Éternel pour adorer notre Dieu, pour célébrer notre Dieu, rendre gloire à notre Dieu pour les merveilles, pour les bienfaits que l'Éternel a accomplis. Laisse-moi te dire que, et je me gêne de rappeler cela, que là, ma Bible me dit que l'Éternel a conçu un projet de paix, de bonheur, non de malheur. Si tu as vécu des moments difficiles, des temps complexes, des situations complexes, des situations difficiles, voici un temps merveilleux que l'Éternel nous a donné.
fait que vous et moi, nous puissions avancer auprès de notre Dieu, que nous puissions implorer la grâce ainsi que la bonté de l'Éternel. Paix et tranquillité dans vos maisons, joie et force dans vos vies. L'heure est arrivée où le moment est venu pour nous, vous et moi, les vrais adorateurs, d'adorer Dieu à l'esprit, d'avancer auprès de notre Dieu, auprès du Créateur, pour l'adorer, le célébrer, le rendre gloire, pour donner toute l'honneur à notre Dieu et célébrer l'Éternel pour sa bonté, pour ses bienfaits, pour toutes les bonnes choses que l'Éternel a accomplies et a réalisées dans notre vie. Voici un moment agréable pour vous et moi. Au nom que Dieu fasse en sorte, oh, je prie Dieu que ta prière soit entendue au ciel, que Dieu puisse entendre ta prière. Lorsque nous allons prier, que Dieu puisse te récompenser à travers ces moments de prière, que la grâce de Dieu soit avec toi et que la puissance divine s'opère dans votre vie. Nous voulons expérimenter à l'Éternel. L'heure est arrivée pour vous et moi de demander à Dieu de créer un cœur pur. Ouais, laisse-moi te dire que David n'était pas un homme sans échec. Non, David a tellement échoué, David a tellement fait des choses qui étaient contraires à la volonté de Dieu. Mais ce qui faisait la capacité ou la force de David, David savait aussi revenir auprès de l'Éternel pour supplier Dieu que son amour, pour que sa bonté, pour que les bienfaits de l'Éternel ne soient jamais loin de lui. Oh, je prie aussi Dieu que l'amour de Dieu, que la bonté de l'Éternel, malgré des problèmes, des circonstances, des réalités que nous pouvons vivre et traverser, que la bonté de l'Éternel ne soit jamais loin de ta vie, que la bonté, la grâce de Dieu ne soit jamais loin de ton foyer, que chaque jour dans votre vie, que tu sois en mesure d'expérimenter la bonté ainsi que la grâce de l'Éternel, et que chaque jour dans votre vie, que tu sois en mesure d'expérimenter la puissance de Dieu, chaque jour dans votre vie, que tu sois en mesure d'expérimenter les oracles de l'Éternel. Oui, l'Éternel est bon, il est puissant. Dieu t'a gardé, Dieu t'a protégé. Matin jusqu'à aujourd'hui, ce n'est ni par notre force, ni par nos capacités. Si ce n'était pas l'amour de Dieu, je ne pense pas, peut-être que je ne pouvais pas être parmi les vivants, mais son amour s'est encore manifesté dans ma vie, aujourd'hui. C'est pour cela que je ne cesserai jamais de venir auprès de l'Éternel pour célébrer, pour rendre gloire à Dieu. Je ne cesserai jamais de venir auprès de notre Dieu pour bénir et glorifier le nom de l'Éternel. Je vais dire à un enfant de Dieu que Dieu crée un période ou un moment nouvel dans votre vie, que Dieu façonne un temps nouvel dans votre vie, que maintenant l'heure est arrivée pour vous d'expérimenter la bonté de l'Éternel, l'heure est arrivée d'expérimenter la grâce de Dieu, l'heure est arrivée d'entrer en parfaite connexion avec ton autre Dieu, d'entrer en parfaite connexion avec le Créateur, de telle manière que nous puissions expérimenter la bonté de l'Éternel, de telle manière que nous puissions expérimenter la grâce de Dieu. Oui, laisse-moi te dire, la bonté de l'Éternel n'est pas épuisée. Est-ce que si quelqu'un peut acclamer Dieu, si quelqu'un peut bénir l'Éternel, si quelqu'un peut dire gloire à Dieu, si quelqu'un peut dire hosanna, si quelqu'un peut déclarer l'expression de sa foi, si quelqu'un peut dire oh, pour tout ce que Dieu a fait, pour tout ce que Dieu a réalisé dans ma vie, je viens et je bénis l'Éternel. Si quelqu'un peut célébrer Dieu en lui disant tout simplement, pour tout ce que tu as accompli, pour tout ce que tu as fait dans ma vie, j'ai béni ton nom. Parce que David disait, mon âme bénit l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits. Si Dieu t'a fait du bien, si Dieu nous a fait du bien, ne cesse jamais et ne lâche pas, n'abandonne pas de célébrer Dieu, de glorifier Dieu, de rendre gloire à Dieu. Voici un moment agréable que Dieu nous a donné, vous et moi, de venir auprès de l'Éternel. Laisse-moi te rassurer, il y a une séparation entre vous et moi, mais il n'y a aucune séparation entre vous et votre Dieu. Bon, il n'y a aucune séparation entre vous et votre Dieu. J'aimerais te rassurer là où vous êtes, là où vous vous trouvez en l'instant. J'aimerais te dire que la présence de Dieu est avec toi. J'aimerais te rassurer que Dieu va opérer des choses extraordinaires dans votre vie. J'aimerais te rappeler que Dieu va réaliser des choses par lesquelles aucun être humain ne pourra faire ni accomplir. Oui, ce que Dieu va accomplir dans votre vie, personne ne pourra le faire. Car notre Dieu, il est un Dieu véritable. Il agit, il répond favorablement à toutes nos peines et à tous nos soucis. Pourquoi ne pas se confier auprès de l'Éternel? Pourquoi ne pas s'attacher à notre Dieu? Pourquoi ne pas espérer? Pourquoi ne pas compter sur la grâce de Dieu? Pourquoi ne pas venir auprès de l'Éternel pour lui dire, Seigneur, je viens tel que je suis. Je viens tel que je suis, malgré mes défauts, malgré mes peines, malgré des choses que j'ai commis, qui n'étaient pas dignes devant ta présence. Mais je viens te glorifier, je viens te célébrer, je viens te rendre gloire. Reçois. Est-ce que quelqu'un peut monter
de telle manière auprès de l'Éternel, auprès du trône de grâce de Dieu, pour bénir l'Éternel, pour célébrer Dieu, pour glorifier son nom, pour bénir son nom pour toutes les choses, toutes les bonnes choses que l'Éternel a accomplies dans sa vie. Oui, je reconnais que l'Éternel a accompli ce qui est extraordinaire dans ma vie. Je reconnais que l'Éternel a réalisé ce qu'aucun être humain ne pourra faire. Je reconnais que l'Éternel a préparé des choses extraordinaires pour ma vie. Je reconnais que la bonté de l'Éternel s'est manifestée encore dans ma vie. Je reconnais que l'amour de Dieu s'opère dans mon foyer. Je reconnais que le bienfait de Dieu se manifeste. Je reconnais que son amour est parfait. Je reconnais, oui, qu'il est avec nous. Je reconnais qu'il me fait du bien. Je reconnais que sa bonté est avec moi. Je reconnais que ses oracles se manifestent jour et nuit dans ma vie. Je reconnais que l'Éternel est vivant. Je reconnais que la paix de Dieu demeure dans ma vie. Je reconnais que peu importe des formes de combat ou des réalités que je peux traverser, je reconnais que la main de l'Éternel sera là pour me secourir. Je reconnais que l'Esprit de Dieu va m'accompagner tout au long de mon séjour ici-bas. Je reconnais que son amour, il remplit ma vie. Je reconnais qu'il fait des choses extraordinaires par lesquelles aucun être humain ne pourra faire ni accomplir. Je reconnais son amour, je reconnais sa bonté. Mais si toi aussi tu reconnais sa bonté, pourquoi ne pas penser à l'Éternel? J'ai un petit pensée que j'aimerais partager avec vous avant de commencer à prier. Vous savez, chaque fois qu'on évolue dans la vie, il y a des choses passées qui reviennent vers nous. Il y a des négativités, des négativités lorsqu'on était païen, ça touche nos vies. Il y a des réalités ou des circonstances négatives qui affectent notre vie. Je vais dire à un enfant de Dieu, sois positif, ne pensez plus à certaines réalités que vous avez traversées. Ne restez pas bloqué dans des situations que vous avez vécues. Ne restez pas bloqué dans les choses que vous avez traversées. Peu importe la grandeur, la manière dont vous avez traversé certaines situations, je vais te dire tout simplement, ne pensez plus aux événements passés. Oui, laisse-moi te dire, la Bible déclare dans Ésaïe chapitre 43, verset 18, la Bible dit, ne pensez plus aux événements passés et considérez-les comme anciens. Oui, des choses anciennes sont passées. Oui, je crois que tu dois vivre de nouvelles choses. Je crois que Dieu prépare des choses extraordinaires. C'est pour cela que nous allons prier à Dieu, nous allons demander à l'Éternel qu'il se manifeste dans notre vie. Nous allons dire à Dieu, nous voulons expérimenter ta bonté, nous voulons expérimenter ton amour, nous voulons expérimenter tes bienfaits. L'heure est arrivée pour vous et moi, l'heure est arrivée pour vous, soldats de Dieu, l'heure est arrivée d'avancer auprès de l'Éternel pour lui dire tout simplement, Éternel, au nom de Jésus, nous voulons expérimenter ta bonté, nous voulons exploiter ton amour dans nos foyers, dans nos maisons, nous voulons expérimenter ton amour, nous voulons vivre tes bienfaits, recevoir toutes les bonnes choses que tu as préparées pour ma vie. Voici un moment agréable que Dieu nous a donné. Voici un moment agréable pour vous et moi, de telle manière que nous puissions avancer auprès de l'Éternel pour l'adorer, pour le célébrer et le rendre gloire. L'heure est arrivée, si vous aimez la prière, voici un temps merveilleux que l'Éternel nous donne, de telle manière de demander à Dieu que Dieu fasse des choses au-delà, que Dieu se manifeste au-delà de nos capacités, que Dieu nous donne la paix et que l'amour de Dieu remplisse nos vies et que l'amour de Dieu remplisse nos foyers et que la bonté de l'Éternel inonde nos cœurs et que l'Esprit de Dieu soit à l'œuvre dans notre vie et que nous expérimentons la grâce, nous expérimentons la bonté de l'Éternel, nous expérimentons les bienfaits de Dieu. Car tout ce que l'Éternel accomplit ou tout ce que l'Éternel fait est bon. C'est pour cela que la Bible nous recommande et nous dit et que dans toutes circonstances, nous devons rendre gloire à Dieu. Oh, celui qui aime monter dans la montagne de l'Éternel, je te souhaite la bienvenue. Celui qui aime la prière, je te dis que Jésus t'accompagne durant ces moments. Si vous aimez, s'accrocher à Dieu et prier Dieu, implorer la grâce de Dieu, voici un moment agréable que nous, vous et moi, que nous devons avancer auprès de notre Dieu. Nous devons avancer auprès de l'Éternel pour supplier Dieu. Que Dieu localise un enfant de Dieu. Que Dieu te localise où que tu sois. Que la grâce de Dieu t'accompagne. Que l'Esprit de Dieu soit à l'œuvre là où vous êtes. Que l'Esprit de Dieu opère au-delà de ta capacité. Bien aimé, je vais juste éviter de prendre maintenant l'attitude de prière.
Nous allons entrer en communion parfaite avec notre Dieu. Nous allons avancer auprès du trône de grâce de l'Éternel. Nous allons avancer auprès de notre Dieu pour lui dire, mais voici Seigneur, pour lui dire, Seigneur, je viens durant ce moment, je viens auprès de toi, je viens t'implorer, je viens te célébrer. Bien-aimé, nous allons prier, nous allons commencer par la prière. Bien-aimé, est-ce que tu peux bénir Dieu? Tu peux lui dire merci pour sa bonté? Est-ce que tu peux reconnaître la bonté de l'Éternel? Est-ce que tu peux reconnaître les bienfaits de Dieu pour toutes les choses que l'Éternel a réalisées, accomplies dans ta vie? Est-ce que tu peux avancer auprès de l'Éternel pour lui dire que Seigneur, je reconnais, je viens reconnaître tous tes bienfaits, tout ce que tu as fait, tout ce que tu as réalisé dans ma vie, dans la vie de mes enfants, dans mon foyer, dans mes projets. Seigneur, je viens reconnaître ta bonté, je viens te célébrer, je viens te louer, je viens te bénir. Toi qui es mon Dieu, toi qui es le Dieu qui agit, le Dieu qui soutient, oh, mon âme et mon esprit, le Dieu qui me donne la paix. Nous prions au nom de Jésus. Père, nous te disons merci Seigneur pour ce moment. Nous te disons merci pour la disponibilité que tu as disposé ton peuple en fait que nous puissions venir auprès de toi. Toi qui es notre Dieu, le Dieu qui agit. Nous te disons merci, nous te sommes pleinement reconnaissants pour toutes les bonnes choses que tu as accomplies, pour tout ce que tu as fait durant ces temps que nous sommes. Si nous délions ce moment en tes saintes mains, accompagne-nous durant ces moments. Que l'Esprit de Dieu et que la grâce de Dieu soient avec nous et que la bonté de l'Éternel s'opère durant ces temps de prière. Père, je prie au nom de Jésus que l'aide de l'Esprit et que le Saint-Esprit de Dieu nous guide et nous oriente durant ces moments de prière et que l'action et la puissance de Dieu nous accompagnent au nom de Jésus. Seigneur, je donne cet moment entre tes saintes mains. Guide-nous et oriente-nous par l'Esprit de Dieu, par la grâce de Dieu, par la puissance de l'Esprit. Oriente-nous maintenant. Seigneur, nous prions au nom de Jésus que ta bonté, que ton esprit opère, que la grâce de Dieu coule maintenant là où nous sommes. Seigneur, nous te disons merci pour la grâce, nous te disons merci pour la paix, nous te disons merci pour la bonté, nous te disons merci pour ton amour. Seigneur, tu t'es encore manifesté dans notre vie. Pourquoi ne pas te célébrer? Pourquoi ne pas te louer? Toi qui es notre Dieu, toi qui es notre force, toi qui es notre tranquillité, toi qui as déversé encore ton amour dans nos vies, dans nos foyers, nous bénissons ton nom, nous célébrons ton nom, le Dieu des grâces. Merci Éternel notre Dieu pour le souffle de vie, merci pour la grâce, merci pour la bonté, merci pour la miséricorde, merci Seigneur pour les bonnes choses que tu as réalisées et accomplies dans nos vies. Seigneur, nous venons auprès de toi pour t'aimer, pour te célébrer, nous venons auprès de toi pour t'implorer, nous venons auprès de toi pour élever ton nom, que ton nom soit élevé, que ton nom soit exalté, que ton nom soit célébré. Toi qui es mon Dieu, toi qui es mon soutien, toi qui es ma force, toi qui es ma tranquillité, le Dieu de ma vie, le Dieu qui me donne la paix, je viens te bénir, je viens te célébrer, je viens te glorifier. Toi qui es le Dieu trois fois saint, le Dieu qui répond favorablement à toutes nos prières. Seigneur, je viens auprès de toi, je vais répondre à cet appel que tu m'appelles, que tu nous as appelés de venir auprès de toi. Nous tous qui est fatigué et chargé, que tu nous donneras le repos. J'implore le repos de Dieu dans ma vie. J'implore le repos de Dieu dans la vie de mon frère. J'implore le repos de Dieu dans nos foyers. J'implore le repos de Dieu durant ces moments de prière. Que nos âmes soient apaisées. Que tout notre esprit soit apaisé. Que la grâce coule maintenant dans notre vie. Que l'Esprit de Dieu opère. Et que la bonté de l'Éternel nous envahisse. Et que la puissance de Dieu nous comble de toutes sortes de bénédictions. Toi qui es notre Dieu. Toi qui es le Dieu qui soutient. Le Dieu qui donne la paix, la tranquillité. Montre-toi Seigneur que ton amour se manifeste. Que la grâce de Dieu inonde nos vies. Que la puissance de Dieu comble nos vies. Dans le nom de Jésus, nous bénissons ton nom. Toi qui es notre Dieu, Seigneur, descends oh, dans notre vie. Descends comme une flamme de feu durant ces moments de prière. Là où se trouvent nos bien-aimés, là où se trouve ton peuple. Que la bonté de Dieu, que la puissance de Dieu localise un enfant de Dieu, localise un peuple de Dieu, où qu'il soit. Que la puissance de Dieu comble un enfant de Dieu. Que la grâce de Dieu accompagne un enfant de Dieu durant ces temps de prière, durant ces moments de prière. Dans le nom de Jésus, que le flamme de la grâce, que le flamme de l'Esprit de Dieu nous accompagne durant ces moments de prière. Dans le nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, car tu es notre Dieu, tu es notre soutien, tu es notre force, le Dieu qui me donne la paix, le Dieu qui nous donne la tranquillité, le Dieu qui déverse sa bonté, le Dieu qui déverse son amour au milieu de nous et dans nos vies. Seigneur, nous te bénissons, nous te proclamons le
le roi des rois. Nous te bénissons, le prince de paix. Nous te bénissons, Père, pour ton amour. Nous te bénissons pour ta bonté. Nous te bénissons pour ta grâce. Nous te bénissons pour ton amour. Toi qui es notre Dieu, le Dieu qui agit. Manifeste-toi, éternel notre Dieu. Accompagne-nous, éternel notre Dieu, durant ces moments de prière, car nous avons besoin de toi. Mon âme a soif de toi. Mon âme a soif de ta présence. Nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin de ton accompagnement. Que l'Esprit de Dieu, que l'Esprit de Dieu, que le Saint-Esprit de Dieu mette l'eau dans la bouche de ton peuple. Mette des paroles dans la bouche de ton peuple. Que l'Esprit de Dieu, que l'Esprit de Dieu nous accompagne durant ce moment de prière. Que le Saint-Esprit de Dieu nous donne des capacités surnaturelles. Que la puissance de l'Esprit nous accompagne au nom de Jésus. Tu es notre Dieu. Tu es le Dieu qui agit. Tu es le Dieu qui soutient. Le Dieu qui fortifie. Le Dieu qui donne le vouloir et le faire. Père, nous te bénissons. Nous te proclamons roi des rois. Mon âme te bénit. Mon âme te loue. Mon âme te célèbre pour toutes les bonnes choses que tu as accomplies. Pour toutes les choses que tu as réalisées dans la vie de mon frère. Dans la vie de ma sœur. Je viens te célébrer. Je viens te glorifier. Reçois l'honneur. Reçois la louange pour tes merveilles. Oh, reçois l'honneur. Reçois la louange pour tes bienfaits. Reçois l'honneur. Reçois l'honneur. Toi qui es mon Dieu. Toi qui es mon sauveur. Toi qui es le Dieu qui agit. Toi qui es le Dieu qui soutient. Le Dieu qui donne la tranquillité. Déverse encore ton amour dans nos foyers. Montre-toi, Seigneur. Montre-toi, éternel notre Dieu, durant ces temps de prière. Car nous avons besoin de toi. Car nous voulons te célébrer. Car nous voulons te proclamer. Nous voulons louer ton nom. Nous voulons glorifier ton nom. Le Dieu des miracles. Le Dieu qui répand son amour au milieu de son peuple. Le Dieu qui nous donne la paix. Le Dieu qui m'a donné le souffle de vie. Le Dieu qui m'a rendu capable d'être parmi les vivants. Je viens te lever. Je viens te glorifier. Je viens te bénir. Toi qui es mon Dieu, tu es mon soutien. Tu es ma force. Tu es ma tranquillité. Donc que ton amour s'opère encore. Que ta grâce nous accompagne. Que ta bonté se manifeste. Que la paix de Dieu, que la main de l'Éternel, oh, soit révélée dans nos vies. Que la main de Dieu soit révélée dans notre vie. Que la main de Dieu nous couvre au nom de Jésus. Que la bonté de l'Éternel se manifeste durant ce temps de prière. Que l'onction de Dieu nous comble maintenant. Que la puissance du Saint-Esprit nous inonde maintenant. Que la grâce de Dieu nous accompagne. Que le flamme de feu sorte dans nos bouches lorsque nous sommes en train de prier. Que dans nos bouches, que nos paroles soient transformées de flammes de feu. Que le feu de Dieu, oh, sort dans nos bouches. Seigneur, dotez-nous des capacités, des paroles pour célébrer l'Éternel. Dotez-nous des capacités afin de bénir ton nom. Toi qui es notre Dieu, toi qui es notre Dieu, toi qui es le Dieu des miracles, toi qui es le Dieu qui soutient, le Dieu qui rend capable. Que ta bonté se manifeste, que ta grâce coule encore. Que ton esprit opère, oh, que ton esprit opère. Toi qui es notre Dieu, il n'y a que toi, éternel notre Dieu. Bien-aimés, nous allons rendre gloire à Dieu. Nous allons bénir les dieux, nous allons célébrer Dieu. Commence à adorer Dieu, commence à adorer l'Éternel pour tout ce qu'il a fait, pour tout ce qu'il a accompli dans ta vie, dans ton foyer. Commence à glorifier l'Éternel, commence à bénir l'Éternel, commence à compter, voir les bienfaits de l'Éternel, commence à célébrer Dieu, commence à élever l'Éternel pour ses merveilles et pour sa grâce. Nous bénissons ton nom, éternel notre Dieu. Je viens te célébrer, je viens te louer, te rendre gloire, je viens t'adorer. Toi qui es mon Dieu, mon âme te loue, mon âme t'adore pour tout tes bienfaits que tu as fait. Mon âme te loue, mon âme t'adore pour toutes les bonnes choses que tu as accomplies. Mon âme te loue, mon âme t'adore pour toutes les choses que tu as accomplies dans la vie de mon frère, dans les nations. Je viens te lever, je viens te célébrer, je viens glorifier ton nom pour ton amour et pour ta bonté. Je viens te lever, te célébrer, éternel mon Dieu, pour la paix, pour la grâce, pour ta bonté, pour ton amour, pour ta bonté, pour ton amour. Tu es le Dieu des grâces, tu es le Dieu d'amour, tu es le Dieu qui nous guide, tu es le Dieu qui se manifeste dans ma vie, le Dieu de mon salut, le Dieu de paix, le Dieu qui déverse son amour, le Dieu qui me donne la paix. Seigneur, je loue ton nom, les rochers du siècle, les ressuscités. Oh, je viens te louer, je viens te célébrer. Toi qui as vaincu le monde, toi qui as vaincu le diable, toi qui étais venu ici-bas. Oh, Seigneur éternel, je viens te célébrer, les rochers du siècle, la main cachée, le prince de paix. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié, que ton amour soit déversé dans nos vies, dans nos foyers. Que la paix de Dieu et que la bonté de l'Éternel nous couvre au nom de Jésus. Que la paix de Dieu, que la grâce de Dieu, oh Seigneur, nous bénisse.
bénissons ton nom, nous célébrons ton nom pour tes merveilles et pour ta grâce. Nous bénissons ton nom, nous célébrons ton nom pour ton amour. Nous bénissons ton nom, nous célébrons ton nom pour toutes les choses que tu as accomplies, tout ce que tu as fait, tout ce que tu as réalisé dans nos vies, dans nos foyers. Que nous bénissons ton nom, car nul n'est comme toi, nul n'est semblable à toi, le Dieu des miracles, le Dieu insondable, le Prince de paix, le bon berger. J'ai béni ton nom, j'ai loué ton nom pour ton amour et pour ta bonté. J'ai béni ton nom pour toutes les choses que tu as accomplies. J'ai béni ton nom pour toutes les bonnes choses que tu as réalisées dans nos vies, dans nos foyers. J'ai béni ton nom, car nul n'est comme toi, car nul n'est semblable à toi, le Dieu qui répond favorablement à ma vie, le Dieu qui me soutient par ton amour, le Dieu, oh, qui répond, Seigneur, à toutes mes peines. Je viens te célébrer, je viens te glorifier, te rendre gloire, célébrer ton nom, car nul n'est comme toi, nul n'est semblable à toi, qu'il n'y a que toi, éternel notre Dieu, il n'y a que toi, le Prince de paix, il n'y a que toi, le Dieu de grâce, il n'y a que toi, le Dieu de bonté, il n'y a que toi qui agis, il n'y a que toi qui nous soutiens, il n'y a que toi, éternel notre Dieu, que l'honneur et la gloire soient rendus à toi, notre Dieu, que l'honneur et la gloire soient rendus à toi, éternel notre Dieu, pour ton amour et pour ta bonté, pour toutes les choses que tu as accomplies, pour toutes les bonnes choses que tu as réalisées dans nos vies et dans nos foyers. Que ton nom soit exalté, que ton nom soit célébré, que ton nom soit célébré, car nul n'est comme toi, nul n'est semblable à toi, le Dieu des miracles, le Dieu des grâces, le Dieu des bontés. Répands ton amour, répands ta grâce, répands ta bonté, car il n'y a que toi, notre Dieu, il n'y a que toi, le Prince de paix, il n'y a que toi, le Dieu de grâce. Nous bénissons ton nom, je célèbre ton nom, je loue ton nom pour ta grâce et pour ta bonté, je loue ton nom pour ton amour et pour la paix, je loue ton nom, car nul n'est comme toi, nul n'est semblable à toi. Montre-toi, Seigneur, montre-toi dans la vie d'un enfant de Dieu, montre-toi dans nos foyers, montre-toi, éternel notre Dieu, montre-toi, Seigneur, montre-toi, toi qui es le Dieu de grâce, montre-toi, le Dieu qui agit, le Dieu qui répond favorablement à tous nos soucis. Seigneur, nous avons besoin de toi. Bien-aimé, nous allons prier. J'aimerais t'inviter dans la prière. Nous allons demander le Saint-Esprit de Dieu. Nous allons demander la puissance de l'Esprit de Dieu. Nous allons demander que le Saint-Esprit de Dieu nous guide, que le Saint-Esprit se manifeste, que l'Esprit de Dieu nous rend capable. Que durant ces moments de prière, dis, oh, le Saint-Esprit, demandons au Saint-Esprit que la flamme de la prière qui est en moi ne s'éteigne pas. Demandez au Saint-Esprit, Dieu, demandons au nom de Jésus, que la flamme de la prière qui est en moi, la flamme de la prière qui est dans mon église, la flamme de la prière qui est dans ma vie, ne s'éteigne pas, malgré le vent, malgré le confinement, malgré les réalités. Demandons la présence du Saint-Esprit durant ces moments de prière. Demandons à Dieu, au nom de Jésus, que l'Esprit de Dieu nous accompagne, que l'Esprit de Dieu t'accompagne dans ta vie, dans ton foyer. Demandez le flamme de l'Esprit, demandez le feu de l'Esprit. Dis que jamais que je sois saint, dis que jamais je puisse abandonner, dis que je ne lâche pas. L'Esprit de Dieu assiste-moi, l'Esprit de Dieu accompagne-moi. Demandons la présence du Saint-Esprit. Nous prions au nom de Jésus. Le Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Toi qui es l'Esprit qui agit, l'Esprit qui soutient, l'Esprit qui fortifie. Nous avons besoin de toi dans ma vie, dans ma vie chrétienne. J'ai besoin de toi. Je sais que sans l'Esprit de Dieu, je ne peux rien faire. Je sais que sans l'Esprit de Dieu, je suis incapable. Je sais que sans l'Esprit de Dieu, je ne peux pas avancer. C'est pour cela que je viens au nom de Jésus implorer le flamme de l'Esprit, implorer la puissance du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit de Dieu m'accompagne, que le Saint-Esprit inonde ma vie, que le Saint-Esprit remplisse mon âme, que ta présence m'accompagne, que la bonté de Dieu et que la flamme de la prière, et que le flamme de la prière ne s'éteigne pas, malgré les réalités, malgré les circonstances, malgré le vent et les tempêtes, que le Saint-Esprit de Dieu en moi ne s'éteigne pas, que le flamme de la prière, oh, ne s'éteigne pas. Je demande ta présence, l'Esprit de Dieu. Je demande ta présence, le Saint-Esprit de Dieu. Je demande monter l'Esprit de Dieu. Je demande la flamme de l'Esprit de Dieu. Je demande l'accompagnement du Saint-Esprit de Dieu. Que le Saint-Esprit de Dieu inonde ma vie. Que le Saint-Esprit de Dieu m'accompagne. Que l'Esprit de Dieu, là où se trouvent les enfants de Dieu, là où ils sont en train de prier maintenant, je demande que le vent de l'Esprit souffle maintenant dans leur vie. Que le flamme de l'Esprit jaillisse encore. Que leur feu ne s'éteigne pas. Que la présence du Saint-Esprit ne s'éteigne pas. Je prie comme David. Comme David disait, oh Père, ne retournez pas ta face et ne
ne retirez pas ton Esprit Saint. Que le Saint-Esprit de Dieu ne soit jamais loin de ma vie, ne soit jamais loin de mon frère, ne soit jamais loin de ma sœur. Que le flamme de l'Esprit, que la puissance du Saint-Esprit, que la bonté de l'Esprit opère maintenant dans la vie du Père de Dieu, dans leur foyer. Que le Saint-Esprit de Dieu opère maintenant dans leur vie, dans le nom de Jésus. Je demande la puissance de l'Esprit de Dieu, je demande la grâce de Dieu. Que l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu vivant, alléluia, remplis nos cœurs maintenant, remplis-nous par la bonté de Dieu, remplis-nous par l'amour de Dieu, remplis-nous par la grâce, remplis-nous par la puissance de l'Esprit, remplis-nous par la bonté de l'Éternel. Le Saint-Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu, alléluia, viens remplir mon cœur, viens remplir nos cœurs, remplis-nous maintenant. Oh, nous sommes comme les vases vides devant ta présence. Seigneur, nous ne voulons pas être seuls, nous ne voulons pas prier, oh Seigneur seul, mais nous voulons que ton Esprit nous assiste, nous voulons que la puissance du Saint-Esprit nous accompagne, nous voulons que le flamme de l'Esprit, oh, nous couvre, nous voulons que la bonté de Dieu, oh, nous accompagne. Toi qui es notre Dieu, toi qui es notre soutien, le Dieu qui agit, le Dieu qui soutient, le Dieu qui rend capable, le Dieu de bonté, que ton amour, que ta grâce nous accompagne, que ta bonté s'opère, l'Esprit de Dieu, alléluia, viens remplir mon âme, remplis un enfant de Dieu, oh, augmente son intensité de l'Esprit, augmente la capacité humaine, depuis toutes les capacités humaines, que le Saint-Esprit de Dieu domine dans la vie, domine dans nos vies, domine dans nos foyers, que le feu de Dieu sorte dans nos bouches, que la grâce de l'Esprit, que le don spirituel soit répandu maintenant, là où se trouve son Père, que le don des esprits, oh, soit répandu maintenant, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, que le flamme de l'Esprit oriente un enfant de Dieu, que la puissance du Saint-Esprit guide un enfant de Dieu, que les oracles de l'Éternel s'opèrent maintenant, dans le nom de Jésus, où se trouve son, où qu'il soit, ton peuple, j'implore la flamme de l'Esprit, j'implore l'Esprit de Dieu, je demande le Saint-Esprit, je demande la puissance de l'Esprit de Dieu, je demande la grâce de Dieu, et que la puissance du Saint-Esprit comble maintenant les cœurs, que la puissance du Saint-Esprit rend maintenant capable, que la puissance du Saint-Esprit rend maintenant capable, rend ton peuple capable d'implorer la grâce de Dieu, d'implorer la bonté de l'Éternel, d'implorer le flamme de l'Esprit, d'implorer la grâce de Dieu, d'implorer la puissance de Dieu. Je demande le Saint-Esprit dans nos foyers, le Saint-Esprit dans nos vies, le Saint-Esprit, que l'Esprit de Dieu, que l'Esprit de Dieu coule maintenant, que l'Esprit de Dieu remplisse maintenant, que l'Esprit de Dieu inonde maintenant, que l'Esprit de Dieu inonde maintenant, où qu'il soit ton peuple. Père, je prie au nom de Jésus, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de l'Esprit de Dieu, nous ne serons pas orphelins. Que le Saint-Esprit soit à l'œuvre dans nos vies, dans nos foyers, dans nos vies chrétiennes, que le Saint-Esprit soit à l'œuvre, et que la bonté de Dieu, et que la puissance de Dieu, on nous couvre maintenant, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, le Saint-Esprit de Dieu, l'Esprit qui est incapable, que la capacité au surnaturel coule maintenant, que le surnaturel prend possession dans nos vies, que le surnaturel prend possession dans ces moments de prière, que le surnaturel prend possession dans la vie d'un enfant de Dieu, que le flamme de l'Esprit réveille sa vie de prière, que le feu de l'Esprit réveille sa vie de prière, que la puissance du Saint-Esprit l'oriente maintenant, au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi, merci pour ta présence, merci pour ta grâce, merci pour ta bonté, merci car tu nous guides, merci car tu nous donnes la force, merci car tu nous rends capable, merci Seigneur éternel notre Dieu, merci le Saint-Esprit, merci car tu as rempli ma vie, merci car tu nous as rempli, tu nous as rendu capable de célébrer et de bénir l'Éternel, tu nous as rendu capable de bénir et d'implorer Dieu, tu nous as rendu capable d'implorer la grâce de Dieu. Esprit de Dieu vivant, alléluia, remplis mon âme maintenant, remplis mon frère et ma sœur. Le Seigneur ne nous laisse jamais seul car nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta présence, nous avons besoin de ta bonté. Nous voulons expérimenter ta grâce, nous voulons expérimenter ta bonté. Que ta présence nous accompagne, que ton amour se manifeste et que la grâce de Dieu opère dans notre vie et que le bienfait de Dieu inonde notre vie et que la bonté de Dieu nous couvre maintenant. Car il n'y a que toi, toi qui es l'Esprit qui enseigne, toi qui es l'Esprit qui fortifie, l'Esprit qui donne la paix. Déverse encore ton amour dans nos vies, déverse encore ton amour durant ces temps de prière. Rends-nous capables de prier, rends-nous capables d'entrer en communion parfaite avec Dieu. Ne nous laisse, ne permet pas, oh cher Saint-Esprit, que la chair prenne le dessus. Mais nous voulons que ton esprit, nous voulons que ta présence nous oriente et nous guide. Nous voulons que ta présence nous accompagne durant ces moments de prière. Nous voulons que ta présence opère à nous dans le nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus. Bien-aimés, nous aimerions que
Maintenant, j'aimerais t'inviter, si tu peux maintenant prendre l'attitude d'un soldat, si tu peux adopter l'attitude d'un soldat face au combat de la vie, face aux réalités que tu traverses, face aux circonstances que tu peux vivre. Maintenant, est-ce que tu peux avancer avec foi face au combat qui s'élève contre ta vie? Je vois, il y a des combats dans ta vie. Maintenant, laisse-moi te dire que Dieu t'a doté par le Saint-Esprit. Dieu nous a doté des armes spirituelles. Nous avons les armes spirituelles. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous luttons contre des principautés, des esprits méchants. Laisse-moi te dire, le diable a un projet de destruction contre les peuples de Dieu. Le diable a un projet pour que les gens puissent avoir des graissements des dents. Le diable a un projet pour que tu puisses crier d'une manière incorrecte en lamentant. Maintenant, nous allons entrer au combat. Peu importe la grandeur de l'ennemi, peu importe les racines de l'ennemi, la manière dont l'ennemi a pris possession de votre vie. Bien-aimé, je te dis que tu as la vie. J'aimerais te dire, te rassurer que la mort et la vie est au pouvoir de ta langue. Sois en mesure et capable de déclarer maintenant. Déclarer maintenant contre les combats, contre les vents, les attaques diaboliques, les esprits errants, l'esprit de mort, la maladie, la contamination, des condamnations diaboliques. Lève-toi en prière. Bien-aimé, nous commençons à prier. Au nom puissant de Jésus, Père, je me lève, avertir l'autorité qui m'a été léguée contre toute autorité maléfique, contre toute force diabolique, des opérations diaboliques, des actions maléfiques de l'ennemi. Je m'oppose au nom de Jésus. Père, je viens avertir de la puissance de l'esprit qui est en moi pour neutraliser toute autorité maléfique, toute action diabolique, puissance de la sorcellerie. Je me lève au nom de Jésus. Je neutralise maintenant toute autorité, toute force des systèmes de totems, des démons de génération, des esprits de contrôle. Je me lève au nom de Jésus. Je renverse maintenant tout système établi devant ma vie, des barrières érigées contre ma vie. Je neutralise au nom puissant de Jésus. J'utilise l'épée de l'esprit afin de rompre toutes les chaînes, des chaînes de limitation, des chaînes diaboliques, des chaînes de non-avancement. Je détruis cela au nom de Jésus. J'utilise la puissance de Dieu pour neutraliser toute autorité de la sorcellerie qui domine dans ma vie, qui domine dans mon foyer, qui domine dans ma famille. Je condamne cela au nom de Jésus. Je repousse avec la foi toutes les attaques diaboliques qui cherchent à m'atteindre. Je repousse par la foi toutes les attaques sataniques qui cherchent à m'éteindre. Dans le nom de Jésus, je renverse maintenant toutes les forces au tout géant qui s'élèvent contre ma vie. Je condamne dans le nom de Jésus. Je neutralise tout ce qui est diabolique. Je neutralise tout ce qui est satanique. Je neutralise tout ce qui n'est pas de Dieu. Toutes les forces et toute autorité maléfique, je le condamne maintenant. Tout ce qui vient bloquer ma prière, je me lève maintenant pour neutraliser cela. Des autorités maléfiques, des esprits errants, des esprits d'envoûtement, des esprits de séduction, des esprits de colère. Je me lève maintenant. Tous ceux qui se lèvent contre la puissance de la parole, je neutralise cela. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, je brise les chaînes maléfiques, je brise les chaînes sataniques, je brise les chaînes de la sorcellerie. Je neutralise cela. Au nom de Jésus, aucune puissance maléfique ne pourra dominer sur ma vie. Aucune puissance maléfique ne pourra dominer sur mon foyer. Aucune puissance maléfique ne pourra dominer dans la vie d'un enfant de Dieu qui est en train de prier maintenant. Je libère la puissance de Dieu. Je libère les anges de Dieu, les anges guerriers de Dieu, afin d'assister un enfant de Dieu dans tes combats, dans ces combats. Que l'Éternel te donne la victoire maintenant. Entre dans ces combats et obtiens la victoire, car tu combats dans la victoire, car la victoire de la croix est ton partage. Et que le flamme de Dieu t'accompagne, et que le feu de l'Esprit t'accompagne dans tes combats. Que tes ennemis soient consumés, que les esprits impurs soient consumés, les esprits de visitation diabolique soient consumés, l'esprit des femmes de nuit, je te condamne maintenant, esprit des maris de nuit, je me lève contre toi, je te donne l'ordre de libérer la vie des enfants de Dieu, je te donne l'ordre de libérer le sommeil des enfants de Dieu, les esprits des rêves érotiques, je te condamne maintenant, au nom puissant de Jésus, je chasse tout esprit, oh, qui tourne la nuit, qui cherche à localiser des vies des enfants de Dieu, oh, je protège tous les peuples de Dieu par le sang de Jésus, que le sang de Jésus localise un enfant de Dieu qui est en train de combattre, que la grâce de Dieu coule maintenant dans sa vie, afin d'assimiler protection, afin d'assimiler orientation dans sa vie dans le nom de Jésus, que le flamme de Dieu neutralise tout ce qui est maléfique, neutralise tout ce qui est de la sorcellerie dans le nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus. J'entre maintenant dans un forêt pour arracher une vie. Je récupère quelqu'un qui est bloqué des années. Je libère ta vie maintenant. Sois libre au nom de Jésus. Reçois ta liberté au nom puissant de Jésus. Je te déclare libre au nom de Jésus. Que les chaînes tombent maintenant dans la vie d'un enfant de Dieu qui est retenu, qui est réclamé. Je condamne toute forme de réclamation, toutes les larmes qui se lèvent en
justice contre la vie d'un enfant de Dieu. Je te libère maintenant. Toutes tes paroles envoyées pour créer du mal, je fais retourner cela à l'extrémité au nom de Jésus. Que la puissance de Dieu témoigne que tu es sauvé. Que le paix de l'esprit s'élève devant ta maison. Que le sang de Jésus soit placé dans la vie, dans ta vie. Que le sang de Jésus témoigne que tu es racheté. Maintenant, j'utilise la puissance de l'esprit pour entrer maintenant, pour libérer quelqu'un dont sa vie est cachée sous l'eau. Je te récupère maintenant. Je libère ta vie maintenant au nom de Jésus. Ce qui te bloque, je libère ta vie au nom de Jésus. Je détruis un esprit de la pauvreté. Je détruis l'esprit de la malédiction. Je détruis l'esprit, oh, de l'échec. Je détruis l'esprit de famille, des géants familiaux. Je le détruis maintenant au nom puissant de Jésus. Que la grâce descende dans ta vie. Que la grâce descende afin de libérer ta vie. Que Dieu te libère. Que la puissance de Dieu te libère. Que l'onction de Dieu t'arrache maintenant. Que la puissance de Dieu t'arrache maintenant. Que Dieu te libère. Peu importe l'endroit, peu importe la manière dont tu as été planté, peu importe la manière tu as été scellé par l'ennemi. Je récupère ton âme. Je récupère ton âme. Je récupère ta richesse. Je récupère tes biens. Au nom de Jésus, que la liberté de Dieu entre dans ta vie. L'heure est arrivée d'expérimenter la bonté de l'Éternel. L'heure est arrivée de vivre des bienfaits de Dieu. L'heure est arrivée d'entrer maintenant. Oh, bien-aimé, avance encore dans tes combats. Avance encore. Avance pour arracher la victoire. Avance pour arracher la victoire. Avance pour récupérer tout ce que tu as permis. Maintenant, l'heure est arrivée de récupérer. La même manière que Samuel avait trouvé la messe permise de son père, j'aimerais que tu récupères tout ce que l'ennemi a volé. Père, j'entre au nom de Jésus. Je récupère au nom de Jésus. Là où on a enterré une vie, j'entre maintenant dans cette terre. J'ouvre cette terre. Je récupère un corps. Ou je récupère une vie qui a été cachée dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Là où on t'a réclamé, j'annule des décrets. J'annule des déclarations de la sorcellerie contre ta vie, contre tes enfants, contre ta descendance. J'annule cela au nom de Jésus. J'annule cela au nom de Jésus. Toute malédiction des générations. Oh, j'annule cela au nom puissant de Jésus. Que la main de l'Éternel, que le secours de Dieu, oh, intervienne dans tes problèmes. Que le secours de Dieu intervienne dans ton foyer. Que le secours de Dieu intervienne dans la vie de tes enfants. Que le secours de Dieu intervienne dans ta vie. Dans le nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous allons encore prier. Nous allons prier. J'aimerais vraiment t'inviter, ne sois pas distrait. Nous allons prier. Demande maintenant à Dieu, Seigneur, protège ma vie. Protège ma vie chrétienne. Protège ma vie chrétienne. Bien aimé, laisse-moi te dire une chose. L'autre fois, on a parlé, on a appris que Dieu nous demande, Dieu nous pose une question. Quand le Fils de l'homme viendra, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? La foi devient rare. La foi devient rare. Mais bien aimé, ne perds pas la foi, malgré les circonstances des réalités, que jamais dans votre vie, que tu puisses perdre, ne perds pas la foi. La foi est tellement précieuse. Nous, les enfants de Dieu, nous devons protéger, prier pour notre foi. Prions pour notre relation avec Dieu. J'aimerais que tu pries pour ta relation avec Dieu. Parce que beaucoup de gens vont abandonner la foi. Mais tant que nous sommes en train d'aller ou de vivre, beaucoup de gens vont abandonner la foi. L'ennemi a un projet pour détruire des vies. L'ennemi a un projet pour détruire la foi des enfants de Dieu. Pour que les gens abandonnent Dieu. Pour que les gens ne sont plus avec Dieu. Le confinement, oh, beaucoup de gens ont dit que ça ne vaut plus la peine de prier. Parce que beaucoup de gens, ça les arrange que les églises soient fermées. Beaucoup de gens, ça les arrange qu'ils ne prient pas. Mais bien aimé, un vrai enfant de Dieu, il protège d'abord le royaume des cieux. Oh, la Bible dit, la vie éternelle, celle qui te connaît, toi le seul vrai Dieu, et ton fils Jésus-Christ, qui est celui que tu as envoyé. J'aimerais juste te demander, quelle genre de relation que tu as avec Dieu. Si tu as une bonne relation avec Dieu, j'aimerais que tu pries pour ta vie chrétienne. Dis, oh, Éternel, au nom de Jésus, aide-moi et assiste-moi. La relation que j'ai avec Dieu, que cela ne puisse jamais échouer. Que je ne puisse tout perdre, mais pas la vie éternelle. Que je ne perde pas la vie éternelle. Bien aimé, nous allons prier pour la vie éternelle. Demandons à Dieu que fait en sorte, car j'aimerais voir Jésus tel qu'il est. Nous prions au nom de Jésus. Père, au nom puissant de Jésus, je prie pour ma relation entre moi et mon Dieu. Seigneur, j'ai été sauvé. Seigneur, la même manière que j'ai été sauvé, mes bien-aimés qui sont en train de suivre, qui est connecté à ce programme, ont été aussi sauvés. Père, je prie, nous prions pour notre foi, nous prions pour notre vie chrétienne, nous prions pour notre relation
et nous prions pour notre relation entre nous et notre Dieu. Nous prions, ô Seigneur, que ma vie, que la vie de ma vie, que ma foi soit protégée, que pour ma relation avec l'Éternel soit protégée. Seigneur, je ne permets pas que l'ennemi puisse profiter par des circonstances actuelles, par des réalités terrestres, que je puisse abandonner, que je puisse lâcher Dieu. Seigneur, je sais que tu es mon sauveur, je sais que tu m'as sauvé. Je prie au nom de Jésus, je prie pour la vie chrétienne de ton Père, je prie pour les relations, ô envers toi, je prie pour leur vie. Seigneur, interviens dans leur vie, dans la vie de ton Père. Ne permets pas que l'ennemi puisse voler, détruire leur vie, détruire leur relation avec toi. Seigneur, que leur vie chrétienne, que leur vie ou leur citation de la foi soit protégée, que leur relation avec toi, éternel notre Dieu, soit protégée. De Dieu qui gère bien, de Dieu qui conduit bien. Seigneur, je viens prier pour ma foi, je viens prier pour ma relation entre moi et toi. Je t'ai connu, Seigneur, tu m'as fait grâce, Seigneur, de devenir enfant de Dieu, moi qui étais autrefois païen, mais ton amour ne s'est manifesté. Seigneur, ne permets pas que l'ennemi puisse profiter par les réalités actuelles, par les citations de ce monde, que je puisse abandonner ta foi, que je puisse te lâcher. Seigneur, je ne vais pas te lâcher, je ne vais pas être les gens des disciples qui ont abandonné, qui n'ont pas trouvé l'intérêt, qui voulaient l'intérêt terrestre mais pas céleste, qui voyaient être riches ici-bas mais pas profiter du royaume des cieux. Seigneur, fais en sorte, à ton nom Jésus, que je puisse saisir le royaume de Dieu, garder ce royaume dans ma vie, garder ce royaume dans ma relation avec toi, éternel notre Dieu. Que la bonté de Dieu, que la grâce de Dieu opère, que la puissance de Dieu opère, que la grâce de Dieu m'accompagne, que l'amour de Dieu inonde de ma vie, dans le nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, le Dieu des bontés, le Dieu des grâces, le Dieu de ma vie, le Dieu de toute ma vie, le Dieu de mon salut, le Dieu à qui je me confie, le Dieu à qui je célèbre, le Dieu à qui j'adore. Seigneur, Père, ne permets pas que je puisse abandonner, que je puisse lâcher. Seigneur, aide-moi, assiste-moi, aide-moi au nom de Jésus, de telle manière que je puisse continuer dans cette direction, que je puisse continuer dans cette voie, que je puisse avoir une bonne relation avec toi, mon Dieu, avec toi, notre Père, avec toi, mon guide, avec toi, mon sauveur, avec toi, ô mon Dieu. Seigneur, je te loue, je te bénis pour la grâce, je te lève, je te célèbre, car tu es mon Dieu, je te lève, car pour toutes les bonnes choses que tu as fait dans ma vie, je te bénis, Seigneur. Je viens, Seigneur, célébrer ton nom, je vais témoigner tes bienfaits, je vais témoigner la grâce, comment je peux t'abandonner, comment je puisse t'abandonner, comment puis-je te lâcher, toi qui es le Dieu qui m'a sauvé, le Dieu qui s'est donné en sacrifice pour ma vie. Il n'y avait personne qui était capable d'ouvrir les livres et de rompre les sceaux. Oh Seigneur, le Dieu qui a changé mes larmes en joie, le fait de te connaître, le Dieu qui m'a rendu soldat victorieux, à cause de ton nom, Jésus, je peux me battre. À cause de ton nom, je peux me combattre. Tout ce qui se lève dans ma vie, je peux le néantir. À cause de ton nom, il y a un nom qui m'a été donné à cause de ces relations. Il y a un nom qui m'a été donné afin que je sois sauvé. Seigneur, je prie pour la foi de ton peuple. Je prie pour la foi de l'église. À l'heure où nous sommes, beaucoup de gens peuvent abandonner. À l'heure où nous sommes, beaucoup de gens peuvent lâcher. Seigneur, je prie au nom de Jésus, ne permets pas que l'ennemi prenne la victoire. Ne permets pas que le diable prenne la victoire. Je sais qu'ils sont nombreux. Je sais qu'il y a une grande armée de l'ennemi. Je sais que l'autorité diabolique est établie ici-bas. Mais Seigneur, je sais que personne ne peut vaincre ton autorité. À la croix, tu as déclaré, tout est accompli. Que l'accomplissement de ta parole, que l'accomplissement de tes promesses s'opère dans la vie de ton Père. Dans le nom de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, nous te rendons grâce encore une fois, Seigneur, pour notre relation, ou pour la vie que tu nous as donnée à la croix. Tu es devenu, Seigneur, pécheur, afin que nous ayons la vie. Tu es devenu, oh Seigneur, malheureux, afin que nous puissions avoir la victoire. Seigneur, fais en sorte que dans ma relation entre moi et toi, Seigneur, ne permets pas que le mal puisse prendre les places. Ne permets pas que je puisse abandonner ni lâcher. Seigneur, je voudrais, Seigneur, continuer à ta direction. Je voudrais continuer, Seigneur, je vais continuer à persévérer, car ma Bible me dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Seigneur, nous voulons être sauvés. Nous ne voulons pas profiter de tous ces biens de ce monde. Comme dit la Bible, à quoi bon de gagner tout ici-bas, de ne pas aller au ciel. Seigneur, fais en sorte que nous puissions conserver. Je prie pour ton Père, je prie pour tes enfants qui sont connectés à ce programme, qu'ils puissent conserver la vie que nous avons reçue, que nous puissions consommer pour conserver la vie que Dieu nous a donnée au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Bien aimé, nous allons prier. Nous allons prier
Demandez à Dieu. Nous allons s'approcher auprès de l'Éternel. Tu dois demander à Dieu. Prie maintenant pour ta famille. Prie pour tes enfants. Prie pour quelqu'un. Si tu connais quelqu'un qui est malade, demande à Dieu l'intervention. Prie pour ton foyer. Prie pour tes projets. Demande la main de Dieu. Demande l'intervention divine de Dieu dans tes problèmes. Dis à Dieu, durant ce temps que je suis en train de prier, montre-toi pour mon problème, pour tel problème, pour tel souci, pour telle réalité que je traverse. Je compte sur toi. Seigneur, montre-toi. Dis à Dieu, montre-toi dans mes problèmes, dans mes soucis, là où je ne peux rien faire, là où je me sens incapable. Durant ces moments de prière, je viens reconnaître ta bonté parce que je sais que tu es capable de le faire. Je sais que tu es capable d'opérer. Je ne sais pas quelle est la grandeur de ton problème, mais je sais que l'Éternel est tellement puissant. Je ne sais pas quelle est la grandeur, quel est le souci qui affecte ta vie, mais je sais que notre Dieu, il répond, il agit, il opère au-delà des capacités humaines, au-delà de nos compétences. Dieu opère. Demande à Dieu maintenant, au nom de Jésus, Père, je demande pour ma vie et pour mon foyer. Durant ce temps que je suis en train de prier, j'aimerais te voir. La vie de mes frères et sœurs, j'aimerais te voir. La vie de mes enfants, j'aimerais te voir. La vie de l'église, j'aimerais te voir. Nous prions au nom de Jésus, Père, je prie au nom de Jésus. Père, je profite pour l'occasion pour prier pour les bien-aimés qui sont en train de prier. Seigneur, intervient maintenant dans le nom de Jésus, dans la vie de chaque enfant de Dieu qui est en train de prier maintenant, où qu'il soit, ce qu'il demande. Seigneur, montre-toi dans la vie de ton peuple. Seigneur, montre-toi afin que ton peuple expérimente ta bonté, afin que ton peuple touche tes bienfaits, afin que la grâce écoute dans la vie de ton peuple, afin que la bonté divine se manifeste dans leur vie, que la puissance de Dieu opère maintenant, malgré la grandeur de leur problème. Je sais que, Seigneur, que tu es le Tout-Puissant. Je sais que tu es fort. Je sais que tes bienfaits sont en train de couler. Fais écouler la grâce ainsi que la miséricorde dans la vie de ton Père. Que la situation, des situations difficiles prennent une réponse maintenant. De la même manière que tu as appelé seulement Lazare d'entre les morts, Seigneur, appelle aussi, Seigneur, leurs problèmes, que cela prenne vie. Là où la mort est entrée, là où la maladie domine, je neutralise cela au nom de Jésus. Je proclame la guérison. Que la guérison touche un enfant de Dieu qui est connecté à ce programme, qui est désespéré. Que la main de Dieu les touche maintenant au nom de Jésus. Que toutes les formes de maladies incurables, je les condamne maintenant au nom de Jésus. Toutes les formes de maladies spirituelle, je neutralise cela au nom puissant de Jésus. Que la main de Dieu touche maintenant, que la main de Dieu restaure maintenant. Ceux qui sont malades soient restaurés maintenant au nom de Jésus. Ceux qui ont des problèmes, Père, je prie pour des familles qui sont séparées, des familles qui sont divisées. Que la main de Dieu restaure maintenant, que la main de Dieu opère maintenant au milieu de ton peuple, dans le nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus. Que la grâce descende maintenant, que la grâce descende maintenant dans la vie d'un enfant de Dieu qui était désespéré, qui s'est posé des questions. Que la grâce descende maintenant, que le ciel s'ouvre pour la vie d'un enfant de Dieu, que le ciel s'ouvre dans la vie d'un foyer, que le ciel s'ouvre afin qu'un enfant de Dieu expérimente la puissance de Dieu, afin qu'un enfant de Dieu expérimente la bonté de l'Éternel. Je te loue, mon Dieu. Je te bénis, le Dieu des grâces. Je te bénis pour ton amour. Descends maintenant. Descends et agis. Répands ta grâce. Répands ta bonté. Répands ton esprit. Dans le nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous te rendons gloire. Nous te bénissons. Alléluia pour ta grâce. Alléluia pour ta bonté. Alléluia pour l'action de Dieu. Alléluia car le ciel est déclenché, Seigneur, pour accomplir le bien, les bonnes choses dans la vie d'un enfant de Dieu. Alléluia mon Dieu, car la grâce est coule encore dans la vie de ton peuple pour répondre favorablement aux soucis de ton peuple. Seigneur, montre-toi afin que l'honneur et la gloire reviennent à toi. Nous te bénissons, nous te célébrons, toi qui es notre Dieu. Nous te bénissons, toi qui es le Dieu des miracles. Nous te bénissons, toi qui es le Dieu insondable. Nous te bénissons, Seigneur, pour tout ce que tu es en train de faire dans le nom de Jésus. Père, je prie au nom de Jésus-Christ. Je vais prier au nom de Jésus. Bien aimé, nous allons prier. Pendant que je vais prier, j'aimerais que nous prions aussi. Nous allons prier pour des églises. L'ennemi profite durant ces temps pour détruire les églises. Nous allons prier pour les églises à travers le monde. Nous allons prier pour les églises en France. Nous allons prier pour les églises en Afrique. Nous allons demander à Dieu, Seigneur, ne permets pas que la destruction de l'ennemi, l'arme destructeur de l'ennemi, ne puisse atteindre l'église. Nous allons prier pour des serviteurs et des servantes de Dieu. Nous allons prier pour des pasteurs, des apôtres. Nous allons prier pour des prophètes, des diacres. Nous allons prier pour les enfants de Dieu. Nous allons demander un manteau spirituel de Dieu soit établi dans la vie des
serviteurs, un manteau spirituel soit étalé sur l'église de Dieu. C'est dans la vie des enfants de Dieu que l'ennemi, que les flèches enflammées, les projets diaboliques de l'ennemi ne puissent pas les atteindre. Nous prions au nom de Jésus. Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, je prie, Seigneur, pour l'église à travers le monde. Seigneur, que laisse que ta grâce, laisse que ta bonté demeure maintenant dans la vie de ton Père. Je plore un manteau spirituel dans la vie de tes serviteurs, afin que cela puisse être une protection face aux projets de l'ennemi, face aux projets diaboliques, face aux actions maléfiques. Dans le nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, je repousse, Seigneur, toutes les organisations diaboliques qui planifient des choses pour ton Église. Père, je détruis cela, au nom puissant de Jésus. Je me lève en esprit pour combattre des géants diaboliques, des esprits maléfiques qui s'élèvent au nom de Jésus. Je détruis toute forme d'esprit de profit qui s'élève afin d'amener des maux, des maladies pour amener des choses négatives dans la vie de ton Père. Je détruis cela au nom de Saint Jésus. Que la grâce descende au milieu de tes églises. Je prie pour l'église en France, l'église de France. Je prie pour l'église de l'Espagne. Je prie pour l'église de Portugal. Je prie pour l'église d'Italie. Je prie pour l'église de Suisse. Je prie pour l'église d'Allemagne. Je prie pour l'église de Norvège. Je prie pour l'église d'Angleterre. J'ai prié pour l'église, oh, de Macédoine. J'ai prié pour l'église, oh, j'ai prié pour l'église au Maroc. J'ai prié pour l'église en Afrique. J'ai prié pour l'église en Amérique. J'ai prié pour l'église au Canada. J'ai prié pour l'église en Amérique du Sud. J'ai prié pour l'église en Australie. Et que, au nom de Jésus, en Asie, que la main de Dieu protège l'église de Dieu. Que la grâce de Dieu descende au milieu de ton Père, en fait dans la cybersécurité. Seigneur, protège ton Père face aux attaques des réalités, le monde spirituel. Que ton Père soit couvert par le sang de Jésus. Que ton Père soit couvert par la protection de Dieu, dans le nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous allons prier. J'aimerais ensemble que nous puissions prier. Nous allons demander à Dieu, nous allons prier à Dieu. Dis merci à Dieu. Dis merci pour ce moment. Reconnais la bonté de l'Éternel en nous disant simplement merci. Reconnais les bienfaits de Dieu en nous disant je t'ai béni, Éternel. Je t'ai béni car tu m'as permis d'entrer en communion parfaite avec toi. Je t'ai béni car tu m'as permis de prier, de pleurer ton nom. Oh, je t'ai béni, Seigneur, pour ton amour, pour cette disponibilité que tu m'as permis que je vienne auprès de toi par la prière pour implorer ta grâce. Nous prions, Père, nous te disons merci, Seigneur, pour ce moment. Merci pour ta grâce et pour ta bonté. Merci pour ton esprit. Seigneur, tout ce que tu as accompli parmi nous, que rien et aucun autre ne peut le faire si ce n'est que toi. Dieu le Dieu de ma foi, Dieu le Dieu de mon bonté, Dieu le Dieu qui agit. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce. Merci Seigneur Éternel car tu nous as soutenus, car tu nous as conduits dans ce moment de prière. Nous bénissons ton nom, nous célébrons ton nom, Seigneur, pour ton amour et pour ta grâce. Nul n'est comme toi, nul n'est semblable à toi. Seigneur, tu as encore agi, tu as encore donné la force ainsi que la capacité à ton Père de venir auprès de toi pour t'adorer, te célébrer, te rendre gloire. Répands ton amour. Je prie pour un enfant de Dieu en particulier, Seigneur, qui veulent expérimenter ta bonté, que ton amour se manifeste, que la grâce de Dieu opère dans sa vie, que la puissance de l'Esprit soit répandue dans sa vie et que la grâce ainsi que la bonté divine comble sa vie. Seigneur, montre-toi, Seigneur, je prie au nom de Jésus, que la nuit soit remplie des mystères de Dieu, que cette nuit soit remplie de révélations. Je sais que tu es le meilleur enseignant. Seigneur, enseigne-nous, apprends-nous, montre-nous, Seigneur, ce que nous ne savons pas et nous ne maîtrisons pas. Seigneur, fais en sorte que nous partons, Seigneur, que nous puissions expérimenter encore et encore ta bonté. Déverse encore ton amour au milieu de ton Père. Seigneur, je prie pour ceux-là qui sont malades, ceux qui sont contaminés par ces fléaux, que la main de Dieu les touche, ceux qui sont dans les comas, que la grâce descende dans leur vie. Même si ils sont inconscients, Seigneur, au nom de Jésus, je détruis cet esprit qui réclame des morts, l'esprit qui appelle, qui récupère les âmes. Au nom de Corona, je connais cet esprit-là au nom de Jésus. Je sème la paix dans la vie de chaque personne qui est connectée à ce programme. J'implore la grâce de Dieu dans la vie de chaque personne qui est connectée à ce programme. Que la main invisible de Dieu comble de toutes sortes de bénédictions et que la grâce de Dieu descende dans leur vie. Seigneur, fais en sorte que ton peuple touche encore ta bonté. Fais en sorte que ton peuple contemple encore tes bienfaits. Car je sais, Seigneur Jésus, que tu vis à jamais. Que l'amour de notre Dieu soit déversé dans notre vie. Seigneur, la prière de ce soir est scellée par le sang de Jésus. À ton nom, Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen, Amen, Amen. Que Dieu vous bénisse, que la grâce, la bonté de Dieu soit avec vous, que l'amour de notre Seigneur se révèle encore puissamment.
Le Seigneur Dieu est puissant, il est fort, il est capable. Il nous donne la paix, que son amour, que sa grâce remplisse nos vies, remplisse nos foyers, remplisse nos maisons. Au nom de Jésus, expérimentons Dieu, expérimentons la bonté de l'Éternel, expérimentons la puissance de l'Esprit de Dieu, expérimentons la grâce de Dieu, expérimentons la puissance de la grâce, lui qui nous a fait grâce, qui nous a accepté d'être là devant sa présence. Je vous dis shalom, je libère toutes sortes de bénédictions dans votre vie. Et soldat de Dieu, j'aimerais te donner un petit conseil, j'aimerais vraiment t'encourager. Si tu aimes te battre dans la prière, et j'aimerais te dire que le temps que nous sommes, ou l'heure que nous sommes, c'est un temps grave. Il y a des projets maléfiques de l'ennemi qui se préparent pour détruire la vie chrétienne. Réellement, les gens qui seront plus touchés, c'est les gens qui adorent Dieu. Et la Bible nous pose une question simple. Et quand le Fils de l'homme viendra, te fera-t-il la foi sur la terre? Donc, j'ai prié Dieu que ta foi soit préservée, que ta relation avec Dieu soit préservée malgré les combats, les circonstances, les guerres, les réalités, la maladie, ne cède jamais devant l'ennemi. Et la Bible déclare même qu'ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. Et je dirais à certains enfants de Dieu, nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Et je voulais rassurer un enfant de Dieu que la victoire de la croix soit ton partage. Qu'est-ce que je voulais te dire? Je voulais juste t'encourager en te disant tout simplement, le temps que nous sommes, ne sois pas distrait. Pourquoi j'ai dit ne sois pas distrait? Parce que tout simplement, l'ennemi est en train de préparer des choses graves. Mais plutôt, pour nous les enfants de Dieu, nous avons l'unique façon où nous pouvons contredire ou contrer les actions de l'ennemi, c'est par la prière. Oui, la prière, c'est une arme puissante et efficace pour détruire les œuvres de l'ennemi. Voici une nouvelle définition. La prière, c'est une arme puissante et efficace pour détruire les œuvres de l'ennemi. L'ennemi, peu importe la taille des géants ou des Goliaths dans votre famille, dans votre vie, laisse-moi te dire, le nom de Jésus, il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné ici-bas. Il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné, vous et moi, ici-bas. Et il n'y a que le nom de Jésus. Je voulais dire à un enfant de Dieu, à cause de ce nom-là, à cause du nom de Jésus, ne lâche pas, n'abandonne pas, ne cède pas, combattons, battons-nous dans la prière. C'est difficile pour moi, sincèrement, c'est difficile pour moi de revenir toujours en vrai auprès de vous pour que nous puissions prier ensemble. Indépendamment de ma bonne volonté, cela ne me permet pas. Mais n'oublie pas, c'est juste pour quand je viens vers vous, c'est juste une façon de venir auprès de vous pour rallumer les flammes de la prière, pour vous encourager mutuellement, pour qu'ensemble nous puissions prier, implorer la grâce ainsi que la bonté de l'Éternel. Bien que les temps soient difficiles, bien que les choses soient complexes, n'oublie jamais, continue à espérer et à compter sur la grâce de Dieu, parce que son amour est parfait, son amour est réel. Donc nous sommes appelés, vous êtes appelés à expérimenter la grâce et ce que la bonté de l'Éternel. Donc je voudrais vous donner vraiment un rendez-vous demain, dimanche, à midi. Je viendrai vers vous par la grâce de Dieu, je viendrai vers vous si l'Éternel le permet, par son amour, je viendrai vers vous pour qu'on passe un moment agréable, que nous ne puissions pas abandonner. Tous les jours nous appartiennent, les dimanches appartiennent à Dieu. Je vais le faire vers vous pour qu'ensemble nous puissions implorer, recevoir toutes les bonnes choses que Dieu a préparées pour vous. Quant à moi, j'étais très ravi d'être parmi vous, de vous accompagner durant ce moment de prière. Merci, que Dieu vous bénisse aussi pour votre disponibilité, que vous n'avez pas cessé d'accorder de votre temps pour qu'ensemble nous puissions implorer la grâce de Dieu. Bénédiction, paix et joie. J'aimerais vous dire shalom. J'aimerais vous dire shalom parce que j'étais en prière. Mais que Dieu vous bénisse, que la paix de Dieu soit avec vous. Je vous dis shalom, grâce et faveur au nom de Jésus. Et que la bonté, la paix, le bienfait de Dieu s'opère dans votre vie. Faites une petite interaction si vous êtes là. Alors j'aimerais vraiment vous saluer. J'aimerais vous dire, faire un petit coucou. Et je salue ma sœur Virginie, ma sœur Lilia. Je vous salue au nom de Jésus-Christ, maman. Maman Denise, je vous salue au nom de Jésus. Et je bénis toutes les enfants de Dieu, les serviteurs, les servantes de Dieu qui étaient connectés à ces programmes pour prier, pour demander à Dieu que l'Esprit de Dieu soit à l'œuvre dans votre vie. Malgré, ne lâche pas, n'abandonne pas, ne cède pas. Combattons et luttons jusqu'à la fin parce que la victoire est certaine et la victoire t'appartient et nous appartient. Je vous dis que Dieu vous bénisse, la paix et tranquillité.